Le groupe The, il y a 7 ans, aujourd'hui, ils en sont où et qui est Matt Johnson? Une présentation. Alors, Matt Johnson, c'est un Anglais qui aujourd'hui est exilé à New York, auteur-compositeur. Enfin, c'est comme ça qu'il se voit. Mais c'est surtout un super chanteur et un super guitariste et aussi un touche-à-tout. Dès 83, c'était un des premiers à utiliser les samples, ce qui était déjà pour l'époque assez, rare, un précurseur. Et puis, bon, une carrière assez psychotique, chaotique. Et puis, finalement, des rencontres, puisqu'il a travaillé avec des gens comme Sinead O'Connor, Mark Almond, Johnny Marr, des Smiths. C'est important les rencontres, hein, c'est vrai. Les rencontres, en tout cas pour lui, ont été très importantes. D'accord. La dernière en date, c'est la rencontre avec Trent Reznor, qui est le leader de Nine Inch Nails, avec qui il a signé. Ah oui. Et donc, grâce à ce monsieur, eh ben, il brille un silence de 7 ans. D'accord. Il revient avec un nouvel album qui s'appelle Naked Life et qui est superbe. Album qui sortira le 28 février. 28 février. Pour ceux qui veulent rattraper leur retard, il y avait Mindbomb avant qu'il existait. Laissez-nous aussi vous préciser que le groupe The sera en concert demain au New Morning, des concerts toujours de très haute volée. On va écouter le titre Globalize qui est extrait de cet album Naked Self. La voix est incroyable et c'est donc en exclusivité mondial, hein, dans une par ailleurs. Voici, mesdames et messieurs, le groupe The. Ouais. Side. Move it out.
C'était le groupe Zaza et un extrait de l'album Naked Self, album qu'on connaît déjà par cœur, chef-d'œuvre qui ne sortira qu'au mois de février, le 28, yes, et c'est 28. Déjà. Et merci beaucoup pour cette avant-première, Stéphane. Benoît de Lépine, on espère que ça vous a plu.